Bonjour à tous, bienvenue au Stade Ruffécois pour cette 9e édition du tournoi national U11 et U13 qui s'est déroulé les 25 et 26 août 2018. Donc la nouveauté pour le club aujourd'hui, c'est qu'on est passé sur une édition de 2 jours, donc forcément qui a modifié un petit peu l'organisation générale de nos bénévoles, puisque ce tournoi rassemble 34 équipes de niveau régional, départemental bien évidemment, mais également aussi national. Le club a pu s'appuyer sur une centaine voire 150 bénévoles, ce qui est énorme pour un club comme le nôtre. 7 clubs pro nous ont rejoints pour cette 9e édition. Voilà, alors si vous voulez venir participer à la 10e édition, vous serez les bienvenus, peu importe le niveau, qu'on soit de la Charente, qu'on soit sur les départements limitrophes, qu'on soit en niveau départemental, il y a la place pour tout le monde. Je vous dis à très bientôt et peut-être à l'édition 2019. Au revoir. Pour la première participation, je vous demande d'accueillir la JECR en U11.
En compagnie d'Axel, Axel, vainqueur du tournoi U11, alors ça fait quoi de gagner le tournoi? De la joie. Ouais. Ça s'est bien passé ces deux jours? Oui. Oui. Donc c'était un bon week-end pour toi? Oui. Et pour toute l'équipe? Oui. Merci beaucoup. Encore! Donc avec les vainqueurs de l'équipe de Brest, U13, bon alors ça fait quoi de remporter le tournoi? Bah ça fait du bien, bah on est contents, on va fêter ça dans la vestiaire. Ouais, ouais, ouais. Au Stade Brestois, chaque...